Bonjour à tous et bienvenue sur Misen TV pour la dernière partie de notre émission consacrée à la pensée de René Guénon, avec toujours pour nous accompagner Slimane Reski. Donc je rappelle Slimane que vous êtes auteur, traducteur, le fondateur de la chaîne Saoud 24 sur YouTube, hein, que je vous recommande. Et donc dans le cadre de cette émission, vous, êtes, vous avez euh, publié euh, deux ouvrages dont un troisième va venir. Euh, euh, prochainement donc deux, ouvra euh, deux ouvrages consacrés à René Guénon, le premier euh, qui euh, s'intéresse particulièrement sur la biographie de René Guénon, hein, donc euh, sous-titré « L'homme, le sens de la vérité », et euh, le deuxième ouvrage qui lui se penche sur l'œuvre et sur les notions clés euh, guénoniennes, donc l'œuvre, le sens de la primordialité. Voilà, donc euh, dans cette dernière partie, je voulais euh, vous poser une question, euh, Slimane, une des, questions difficiles qu enfin, une des questions difficiles à comprendre dans l'œuvre de Guénon, et le fait, notamment pour un lecteur, disons, qui serait dans une perspective croyante ou religieuse, et donc le fait que Guénon semble écarter toute forme de doctrine du salut, ce qu'on pourrait peut-être mentionner ainsi, alors même que lui-même était engagé dans une voie religieuse, islamique, hein, à travers le soufisme. On a l'impression, de manière un peu provocatrice, qu'un individu pourrait théoriquement faire l'impasse sur une vocation religieuse, puisqu'il y aurait une distinction entre la métaphysique. Euh, et la religion, euh, tout, un, tout, en, euh, tout en investissant une approche donc, euh, métaphysique qui se ferait à l'extérieur du, du religieux, euh, puisque la métaphysique transcende le religieux pour Guénon. Euh, et on a l'impression que la question du salut de l'âme dans l'au-delà ne se pose pas euh, dans son œuvre, ou qu'elle n'a pas l'importance euh, qu'elle pourrait avoir justement dans, 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 une, dans une approche religieuse. Alors est-ce que cette impression est vraie ou, ou est-ce qu'elle est fausse tout simplement Non, elle est fausse. Elle est fausse. Guénon n'écarte pas et n'évacue pas la notion de salut. Il fait simplement euh, une restructuration de la tradition, en plaçant effectivement la métaphysique au-dessus du religieux, quoique les deux aillent ensemble, et les deux se reposent sur une même lettre. Pour nous, musulmans, le côté proprement théologique, dogmatique, comme le, mot, le côté initiatique et métaphysique, repose sur la lettre même du Coran et de la Sunna. Donc en fait, ce n'est pas deux domaines euh, complètement étrangers, c'est simplement deux domaines superposés. Alors le salut va correspondre à une dimension exotérique, donc Guénon ne l'évacue pas. Il dit simplement que c'est une perspective et une vue qui n'est pas euh, totale, qui n'est pas finale, qui ne va pas au bout des choses. Euh, de la même manière que l'exotérisme est une approche qui ne se suffit pas à elle-même et qui a besoin d'être superposé par un ésotérisme et donc par une connaissance d'ordre métaphysique, d'ordre réellement spirituel, sans quoi les écrits ne prennent pas de sens. Mais quant à la question de l'exotérisme en lui-même, Guénon fera un article quand il sera au Caire qu'il intitulera De la nécessité de l'exotérisme, justement pour bien appuyer sur le fait que c'est pas parce que l'on a une aptitude ou une orientation initiatique ou métaphysique que l'on doit tout d'un coup mettre le côté exotérique et religieux de côté non les deux vont ensemble c'est inséparable l'un de l'autre on le voit bien euh, si un être a été réalisé spirituellement c'est bien le prophète mohammed et pourtant il a pratiqué le religieux et l'exotérisme jusqu'à la fin de sa vie il a jeûné il a prié il a etc alors vous disiez que le, le, la question du salut de l'âme était une question exotérique alors, j'ai pas bien compris parce que on, on aurait tendance à penser que la question du salut de l'âme relève de l'adhésion euh, intime d'un individu à, à une croyance à, euh, ou à des dogmes, et, euh, alors que l'exotérisme, ce serait les, les manifestations visibles hein, à travers des pratiques, à travers des, euh, des, des, des comportements. Euh, donc euh, voilà. Donc pour vous, la, la, le salut de l'âme, c'est pas une question qui relève de de l'intimité, ou alors je, je dirais si. peut-être pas ésotérique, mais une, une, une dimension non. spirituelle ou une dimension la, de la foi Non, c'est la dimension exotérique. Pourquoi Parce que la question du salut a proprement dit, et là il faut voir encore euh, ce qu'en dit Guénon, euh, mais la compréhension et les interprétations qu'en ont par exemple euh, les savants musulmans. C'est-à-dire que l'on place tout le temps tout dans une perspective temporelle et non pas actuelle. On place le salut après la mort et jamais dès cette vie. Et c'est là qu'il y a la différence entre salut et délivrance. C'est que dans la délivrance, on vous dit, non, il n'y a pas besoin de s'inscrire dans une démarche temporelle. Dieu, il est partout. Il n'est pas que dans la ou après la mort. Il est là aussi. Et on a tout un ensemble d'enseignements qui nous disent, quand vous voyez un lieu euh, du paradis en trésie, et quand il demande au prophète lequel, il lui dit « halqat adh-dhikr là où il y a un endroit de dhikr Il ne dit pas « si vous voyez un endroit comme le paradis », il dit « un endroit du paradis ». Donc le paradis est accessible dès ce monde. Quand il parle de euh, la raouda, c'est-à-dire l'endroit à Médine entre sa maison et euh, son bar, sa chair il dit bien « c'est euh, un des jardins du paradis ». Il ne dit pas « c'est comme », il dit « c'est un des jardins du paradis ». Alors après, soit on a la capacité de le comprendre, de s'en imprégner et de le vivre, ou non Mais à la rigueur, je dirais que la personne qui n'a pas la capacité de saisir, c'est son problème, et c'est pas pour ça que c'est faux. Dans la délivrance, le, la relation au divin n'a pas besoin d'attendre après la mort, c'est dès cette vie. Dieu est partout et tout le temps, il n'est ni limité par le temps ou par l'espace. Donc à partir de là, au moment où on passe ce plan-là, on évacue le champ spatial et temporel, et ça change tout. De la même manière que dans ces perspectives-là, on a une approche du prophète qui est totalement différente. C'est-à-dire que les uns vont avoir une approche d'un prophète qui est historique et corporel, alors que de l'autre côté, on va avoir une approche au prophète qui est au-delà de l'historique et qui n'est pas que corporel, puisqu'il disait, alors qu'Adam était entre l'eau et la boue, j'étais déjà prophète. Il dit dans le Coran... J'ai été suscité comme une miséricorde universelle pour les mondes. Or, s'il est mort, en quoi il est une, une, une miséricorde pour nous aujourd'hui En quoi il a été une miséricorde pour ceux qui sont venus avant lui, avant sa naissance corporelle Donc, voyez bien la différence c'est que l'exotérisme est très réducteur, alors que de l'autre côté, on va essayer justement d'amplifier les champs et voir que toutes ces réalités sont en fait des principes d'ordre spirituel qui sont valables bien au-delà de tout cadre de temps et de lieu. Alors dans votre deuxième tome consacré à René Guénon, vous, donc vous rappelez cette distinction entre métaphysique et, et religieux, et, et vous, vous, vous vous enfin vous vous parlez de, de rites euh, et qui auraient également des rites métaphysiques. Et je me suis posé la question de savoir à, à quoi ça renvoyait puisque ce, ce ne sont pas par définition des rites religieux, hein, c'est-à-dire la prière. le le zikr, ou, ou tous les rites qu'on qu peut connaître euh, bon, à, à travers l'islam, on pourrait élargir à, à la question des autres religions, mais, euh, donc c'est quoi des, des rites métaphysiques tout mais Les rites métaphysiques et, et surtout initiatiques, en réalité, si, ils sont dans la lettre du Coran, seulement il y a des techniques pour les, les pratiquer, il y a un ordre dans lequel on les pratique, et pour cela, il est évidemment préférable d'avoir un enseignant, un guide qui permet de les donner dans le bon ordre, aux personnes qualifiées prêtes, qui ne le sont pas, il faut les préparer avant. Mais on va retrouver par exemple des rites comme la que l'on n'utilise plus du tout dans l'exotérisme, alors que le prophète l'a pratiqué toute sa vie. On va retrouver des dhikr, de jour et de nuit. Or, aujourd'hui, soit euh, là tel où est-ce que c'est pratiqué dans l'islam exotérique C'est plus pratiqué. On va parler de dhikr. Faites l'invocation de Dieu, ou souvenez-vous de Dieu. Abondamment. Or, dans l'exotérisme et le Islam des mosquées, où est-ce qu'on le retrouve, ça On le retrouve plus Le, le zikr est une pratique euh, qu'on... Qu dans peut les dire, mosquées un... Ah non, je suis désolé. Alors C'est une pratique individuelle. Ah, ah oui, enfin, vous, voulez dire, vous, vous voulez dire le zikr collectif. Vous ne parlez pas du zikr individuel. Que ce soit collectif ou individuel. Que ce soit collectif ou individuel. Il ouais. suffit de voyager un peu dans le monde musulman pour voir des mosquées ouais. où il y a encore un travail de dit que le même collectif, ne serait-ce qu'après les prières. Et pour voir, ne serait-ce que par exemple pour nous ici en France, où quand l'islam a fait salam alaikum, grosso modo en 60 secondes, il y a déjà les trois quarts des, des orangs qui sont déjà dehors. Et pour ceux qui restent pour faire un, un, quelques petites oraisons d'après, ça se résume à 33 fois subhanallah, 33 fois alhamdulillah, 33 fois Akbar ». Ça, c'est pas ce qu'on appelle dhikr kathir. Fa bismi rabbika wa tabati ilayhi tabtila » C'est glorifier le nom de ton Seigneur ardemment, longtemps, fortement. On est très loin de ça aujourd'hui. La capacité est parmi ces rites il y a également des techniques propres. Qui permettent d'arriver de, à, des, à, des, à des niveaux de concentration et d'intériorisation. C'est plus du tout pratiqué aujourd'hui dans l'islam exotérique. On ne retrouve ça que dans quelques branches qui ont préservé ces héritages-là et qui le mettent encore en pratique. Sinon, c'est quasi plus pratiqué. Alors on va revenir sur, euh, sur les idées et les combats que, que Guénon a, a menés. Alors... Évidemment, en tête de ces combats, euh, celui contre la, mo la modernité, hein, qui est souvent la, la porte d'entrée euh, principale. D'ailleurs, on réduit très souvent l'œuvre de, de René Guénon à, à cette question de la, de la modernité. Alors, peut-être une définition, là, une, fois, une fois encore, pour préciser le, le sens des mots. Euh, C'est quoi la modernité chez Guénon Quelle définition en donne-t-il euh, C'est avant tout un esprit, la modernité. C'est beaucoup plus au-delà, encore une fois, du cadre spatio-temporel. C'est beaucoup plus une mentalité, c'est-à-dire que c'est une vision des choses, du monde, de la vie, du divin, de, etc. Bon, Guénon va euh, entrer dans le détail, notamment dans la crise du monde moderne, en Orient, Occident, etc. C'est d'ailleurs tout le premier pan de sa vie, hein, euh, où il va décrire ce, ce qu'est le monde moderne. Mais pour le résumer, je reprendrai ses propres paroles c'est tout simplement l'anti-tradition. C'est tout ce qui va à l'encontre de la tradition, de ce qui peut combattre la tradition, voire annihiler et faire disparaître la tradition. Voilà le cœur même du monde moderne. Donc la modernité n'a pas de sens qui lui serait propre, un sens positif, mais c'est un sens négatif, c'est ça C'est quelque chose qui est anti, qui bah, est contre une chose. Au moment mais qui où pas, pas, pas Il n'y a pas un projet. Euh, Il n'y a pas de principe à la modernité. Euh... Ouais. En quoi Guénon définit la différence d'une tradition et de la modernité donc de l'anti-tradition, il dit c'est que dans toute tradition, il y a des principes. La modernité n'a pas de principe. Elle n'a pas de Dieu, donc déjà pas de principe. Mais même intellectuellement et idéologiquement, elle se renferme dans la dimension soit matérielle, soit dans ces déviations ultimes subconscientes, l'humanisme euh, tout tout moderne voilà, ouais. par exemple où tout est réduit mmh. à l'homme. Mmh. Et à partir de là. Elle a des pseudo-idéologies comme le bonheur, l'émancipation, le libre arbitre, la liberté individuelle, etc., qui ne sont que des leurres et des illusions. Et Guénon va les démonter les unes après les autres pour bien montrer à quel point ça ne tient pas debout, que ça ne constitue vraiment aucun principe, et que quand on arrive à un niveau où on est bloqué quant à le, au fait que chaque chose a une cause, bah c'est le hasard, c'est la nature, c'est comme si la nature n'était pas régie par des normes et des règles. Comme si la nature était le fruit d'un hasard. À moins de, de, a avoir, de ne pas avoir fait le, le minimum, au moins un CP, euh, on se rend compte vite dans la nature que tout est régi par des normes. Alors on pourrait parler de beaucoup de choses hein, à travers l'œuvre de, de Guénon. On va peut-être terminer par, par une notion euh, qui suscite toujours l'interrogation chez certains lecteurs. Qui est, celle, qui est le rapport de René Guénon à la franc-maçonnerie, parce qu'on sait que dans certains écrits, il aborde la question. Euh, alors, précisément, il l'aborde sous un angle spécifique et qui n'est peut-être plus celui auquel on pense quand on entend parler aujourd'hui de la franc-maçonnerie, c'est-à-dire à, -dire à, à des, des espèces de réseaux qui sont un peu occultes, des réseaux d'influence. Euh, donc, euh, c'est peut-être l'occasion de, de clarifier le, rapidement le. Le rapport que René Guénon entretenait avec la franc-maçonnerie, est-ce qu'il est qu était franc-maçon, est-ce qu'il côtoyait des loges maçonniques, comment, ça représentait quoi pour lui et, et voilà, peut-être pour mieux comprendre cette, cette, ce mmh. rapport-là. Oui, il était maçon, il était affilié à la loge Humanidad et à la loge Teba. Euh, par contre, ça réclamerait déjà de recadrer un petit peu, parce qu'effectivement, et notamment au sein de l'islam, on sait que la franc-maçonnerie n'a pas bonne presse, qu'elle est vue comme. Euh, un réseau complotiste qui veut diriger le monde, qui est anti-traditionnel, qui souvent est lié au sionisme, qui etc etc. Bon, je dirais que c'est très réducteur. Et le gros problème, c'est que très souvent les gens qui avancent ces thèses euh, ne se basent sur rien du tout et surtout ne connaissent pas la franc-maçonnerie, voire ne connaissent même aucun franc-maçon. et c'est là qui est le vrai problème, parce qu'en réalité, si dans la franc-maçonnerie, qui est d'ordre réellement traditionnel et de dimension initiatique, ça existe encore aujourd'hui, oui, bien sûr. il ne faut pas oublier que si on peut ne les regarder que sous l'angle d'une dégénérescence de réseaux, etc., qui sont là, qui sont vrais aussi, mais qui ne sont pas toute la franc-maçonnerie. on pourrait regarder l'islam de la même manière. Est-ce que tout l'islam et tous les musulmans sont des spirituels Non. Y a-t-il des voyous euh, en islam Oui. Y a-t-il des réseaux en islam Oui. Y a-t-il du complotisme en islam Oui. Tous les milliards euh, saoudiens du pétrole, on s'en sert à quoi aujourd'hui Le wahhabisme n'est-il pas un réseau complètement dégénéré, ennemi de l'islam pour le détruire de l'intérieur On n'a rien envie aux francs-maçons là-dessus. Maintenant, pour revenir sur la franc-maçonnerie, en tant que. Euh, mouvement en tant qu'héritage traditionnel, initiatique, oui, il a certes très dégénéré et guénon le premier en était très conscient et c'est pour ça que alors qu'il était lui-même franc-maçon, il collaborait dans une revue qui s'appelait la france antimaçonnique et euh, dans, lequel, dans laquelle euh, il dénonçait toutes les dérives de la maçonnerie. donc en fait, lui, son but, c'était quoi? c'était de restaurer la franc-maçonnerie. Dans sa spiritualité d'origine, dans sa qualité initiatique d'origine. Et pour cela, il va collaborer avec certains francs-maçons euh, de très bonne spiritualité, des gens de très haute connaissance et de très bonne valeur à tous les niveaux. Pour justement essayer de recadrer certaines choses, pour remettre certains rites en place et pour rétablir notamment le symbolisme et l'enseignement des différentes euh, des différents symboles propres à, à la maçonnerie et leur redonner notamment cette dimension initiatique et redonner une conscience aux maçons de ce qu'est réellement la règle et la nature de leur appartenance à la maçonnerie. Alors. Il y a beaucoup d'autres notions hein, que nous n'avons pas évoquées euh, dans l'œuvre de Guénon, comme celle de symbolisme, euh, les états multiples de l'être, euh, l'initiation euh, et d'autres encore. Donc raison pour laquelle je vous recommande euh, une nouvelle fois la lecture euh, de ces ouvrages. Euh, donc René Guénon, L'homme, le sens de la vérité, hein, aux éditions Albourac, euh, dans le, la collection Je veux connaître, et donc le deuxième tome. Euh, le sens de la primordialité. On va aussi euh, peut-être présenter vos autres ouvrages, hein, puisque vous avez produit euh, euh, des euh, portraits euh, euh, dans la collection Je veux connaître euh, de, de figures. Euh, donc euh, Abou Madian, euh, une, une des grandes figures du, du soufisme. Hein, une des euh, plus grandes, oui. Voilà, le maître des maîtres. Euh, voilà. Euh, aussi récemment, euh, Saïd Noursi, donc euh, Une vie tourmentée au service euh, de la foi, toujours dans la collection Je veux connaître. Et euh, nous avons aussi euh, un ouvrage, Je veux comprendre, Le soufisme, réalité et caricature, euh, toujours aux éditions El Bourak. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis et je vous dis à très bientôt sur Misène TV.